Saint-Thomas, le bandit au visage bleu, Jean Marais, Louis de Funès, vous connaissez certainement, mais vous ne savez peut-être pas que l'un des films a été tourné au château de Roxayade, dans le sud Gironde. C'était en 1967, il y a tout juste 50 ans. 50 ans célébrés aujourd'hui. Esmeralda Terpereau et Christelle Arfel n'ont pas voulu rater ça. Reportage. C'est une apparition qui ne passe pas inaperçue. Saint-Thomas revient au pied du château où l'on perdait sa trace. C'était en 1967 et malgré les années, il garde toujours son côté inquiétant. Le Saint-Thomas, c'est toute notre enfance. Mais je croyais qu'il était mort, Saint-Thomas, mais non, il est là. C'est un homme qui avait la ressource. Je pense que Louis de Funès serait heureux d'être à notre place. Impossible de se faire discret aujourd'hui. Son passage il y a 50 ans résonne encore ici. À l'époque, l'équipe de tournage n'a pas investi l'intérieur du château, mais s'en est inspirée. Dans le film, on voit ce qui est drôle, c'est on voit les gens et puis on les revoit et on les revoit. Il est effrayant. Il est effrayant. Dans le film, ils ont coupé les baldaquins, sinon ça passait pas à travers le mur. Un décor idéal pour se plonger en Écosse. Ça a été construit par des Anglo-Gascons de la période anglaise à Bordeaux, les 300 ans de leur présence. Donc il y a cette ambiance anglo-saxonne, voire écossaise. Ces murs gardent encore quelques secrets de tournage. Lors d'une scène de cascade dans les douves du château, Jean Marais s'est fait mal, il s'est tordu une cheville, il s'est fait une entorse à la cheville. Voilà, donc ça fait partie des aléas du tournage. Saint-Thomas est reparti sans prévenir. Saint-Thomas, je t'aurai. On ignore encore quand il reviendra. Oui. C'est bien moi, Saint-Thomas. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais.